secret, vieux père? Monsieur Mbappé, what are you secret? Le vieux, c'est quoi ton secret? Et je ne vous ai pas encore dit. On lui donne un salaire de 100 millions l'année. Et puis on lui verse une prime. Prime de 300 millions. Prime là, c'est le salaire fois 3. Pour dire que ton salaire là, faut pas toucher. Tous les petits mouvements des maillots, les mouvements qu'on travaille, les marques, les petits placements de produits, tu as ton gain. Ton gain, c'est 300 millions. Si tu es dedans, tu prends. Tu n'es pas dedans. Regardez son petit frère. Seigneur, même prière que Mbappé. Kwame, viens, mon fils Kwame. Kwame est où, mon fiston? Seigneur, même prière que Mbappé. Même prière que les parents de Mbappé. Kylian Mbappé reste. Au prix de quel sacrifice? Regardez. Au prix de quel sacrifice? 100 millions d'euros net. 100 millions d'euros net de salaire. Net, c'est-à-dire que lui, c'est pas lui qui paye les impôts. C'est PSG puis les Qataris qui payent les impôts. Il y a les uns et puis il y a les autres. Il y a des gens qui sont nés et puis il y a des gens qui sont venus au monde, comme le disent les autres comédiens. Il y a son père doit être fier. Sa mère doit être fière. Quand il rentre à la maison, c'est dit. Nous, on appelle nos parents, même dit, mais lui, là, il veut quoi encore? Kylian Mbappé appelle papa, dit, oh mon fils, mon fils. Il dit, à chaque fois qu'il prononce fils, il doit être fier. Il prononce fils, 300 millions. Fils, c'est le million, fils, mon Kylian, Mbappé, ça. Le vieux, c'est quoi ton secret, vieux père? Monsieur Mbappé, what are you secret? Le vieux, c'est quoi ton secret? Et je ne vous ai pas encore dit. On lui donne un salaire de 100 millions l'année. Et puis on lui verse une prime. Prime de 300 millions. Prime là, c'est le salaire fois 3. Pour dire que ton salaire là, faut pas toucher. Tous les petits mouvements des maillots, les mouvements qu'on travaille, les marques, les petits placements de produits, tu as ton gain. Ton gain, c'est 300 millions. Si tu es dedans, tu prends. Tu n'es pas dedans. Regardez son petit frère. Seigneur, même prière que Mbappé. Kwame, viens, mon fils, Kwame. Kwame est où, mon fiston? Seigneur, même prière que Mbappé. Même prière que les parents de Mbappé. Allô, Kylian, tout cet argent, qu'est-ce que vous allez en faire? Allô, merci beaucoup. Merci le Qatar. Merci le Parisien. Ils ont beaucoup d'argent. Merci mon papa. Marseille, Dozeleu, Dimitri Payet, je ne pourrais pas y être. Là-bas, ils m'ont proposé 500 kebabs. J'ai dit non, je mange pas les tomates et puis les oignons. Voilà. Et puis, Paris a mordu à la maison. Il faut mettre la daronne à l'abri, hein. Avant, c'était la CAF. Aujourd'hui, c'est nous la CAF. Alhamdoulilah. Ah, les affaires, c'est les affaires. Et voici Thierry si le Henry, vieux il est un un peu vieux. son Il me fils. regarde comme ça. Vous croyez que quoi? Mbappé a joué où? Mbappé n'a pas joué où? Mbappé allait là, même s'il appelle. Il parle au président Macron. Président de la République, son Excellence, Monsieur Macron. Je tiens à le préciser, hein. Le titre de séjour, il faut lui couvrir les arrières. Il parle au président. Actuellement, il va appeler le président, quel que soit où le président Macron. Il va dire, vieux père Macron, c'est comment? Viens, on va fumer un peu les chichas là. Hein? Tu peux pas? Tu es avec qui? Vieux père Macron, c'est moi Mbappé qui t'appelle. Petit, allez, viens ici là. Je t'envoie jet privé. Ouais. Et le petit, peut-être qu'il va faire encore. Le petit s'appelle Ethan Mbappé, non? Ethan. Non, Dieu bénisse les Mbappé. Mon prochain enfant, je l'appellerai Mbappé. 23 ans.